déposes Doudou. Mange. Je peux regarder. Tu manges tout. Oui. Mange ce qui est dans la bouche. Mange ce qui est dans la main. Mange. Mais c'est fini, non? Oh. La moitié de 250, c'est 125. Ouais. Pour mon gâteau, là, il en faut du beurre. Hein. Ouais, comme ça, ça va faire un petit goûter animé. Au rapadura, monsieur. Au rapadura. C'est un truc bio, un truc que les vegans bouffent. Mon gâteau au poids. Au rapadura. Maman, ils sont fancy world. Je ne vous permets pas. Hein. Je ne vous permets pas. Hein. C'est un petit peu plus sport que d'habitude pour la simple et bonne raison que j'ai Baby Cerise. Mais je dois bien avouer que depuis quelques temps, je veux dire depuis 6 mois, bon, on va pas compter le confinement 2 ans parce que c'était quand même spécial, on va dire depuis le début de la rentrée, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment différent d'avoir un enfant de 3 ans que d'avoir un bébé. Moi je suis pas le genre de mère qui aime bien être à 4 pattes dans la chambre à jouer au Lego, à la Barbie, etc. Pas trop mon truc, mais je pense que c'est totalement ok de pouvoir le dire et de pouvoir se dire qu'il y a différents types de mamans finalement. Et je suis une maman qui n'aime pas trop jouer avec le bébé, etc. Je suis plus dans le management, dans la supervision. C'est Monsieur Cerise qui est beaucoup joué avec Baby Cerise. Et donc les mercredis, forcément, puisque moi je travaille à la maison et Monsieur Cerise travaille à l'extérieur, c'est forcément que c'est avec moi qu'elle le passe. Et j'ai un peu remarqué qu'elle grandit en fait, tout simplement, qu'elle devient beaucoup plus autonome et c'est devient vraiment cool les mercredis, toutes les deux. On a des vraies conversations, des discussions. Moi, quand je suis dans mon bureau en train de travailler, elle peut dessiner à côté, etc. Les activités peuvent durer un peu plus longtemps que 10 minutes. Ça durait 10 minutes avant, c'était vraiment dur de trouver des activités pour l'occuper, etc. Là maintenant, c'est vraiment mieux. Franchement, c'est bien hein, quand les enfants grandissent. Là, elle est couchée. Elle fait sa petite sieste. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a prévu? Vu qu'avant le confinement, on passait déjà beaucoup de temps chez mes parents, sur des cas contacts, on avait déjà cas contacts. Donc très certainement qu'on va aller chez mes parents. Heureusement,
Ce qui est bien, c'est qu'ils habitent à 5 minutes. Donc voilà, comme vous avez pu faire, vous avez pu voir, j'ai fait un gâteau au rapadura. Et donc du coup, on pourra prendre le goûter en fait chez Papi et Nona et ça sera cool. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai reçu hier. Je sais qu'il y a des accros du parfum ici, dans la pièce. Moi, j'avoue que j'étais pas trop mieux d'accros du parfum, tout simplement parce que je trouvais en général pas trop mon... Ce que j'aime en parfumerie générale, en fait, il n'y avait jamais qui me plaisait vraiment, vraiment. Si ce n'est si de Armani, qui est le seul parfum qui me convient parfaitement, je ne trouvais pas trop des trucs qui me convenaient. Et en fait, je me suis rendu compte que je trouvais beaucoup plus dans les parfumeries dites de niche, qui sortent un peu des cadres de la parfumerie habituelle et qui... Au contraire, sont plus sur de la recherche, des trucs hyper originaux. Moi, j'adore les parfums androgynes, donc mixtes, qu'on peut porter en tant que femme ou homme, qui ne sont pas forcément genrés au niveau de l'odeur. Et du coup, j'ai forcément trouvé mon bonheur, notamment chez Bon Parfumeur. Je ne sais pas si vous connaissez Bon Parfumeur. Si vous ne connaissez pas, allez en barre d'infos pour aller cliquer, pour aller consulter en même temps. C'est juste génial, c'est des créateurs de parfums. Qui proposent en fait, leurs parfums sont sous forme de numéros, sont numérotés, en fonction des notes olfactives des parfums, ce qui fait qu'on peut vraiment trouver son bonheur en termes de senteur et de parfum, de fragrance. Enfin, c'est vraiment juste génial comme concept parce que on tombe vraiment amoureux d'une odeur et pas tant d'une esthétique, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi en fait, ce minimalisme-là, me plaît. Donc du coup moi j'étais déjà une fan de Bon Parfumeur pour leur parfum et leurs bougies aussi. Si vous connaissez pas, mais il faut que vous ayez voir, les bougies de chez Bon Parfumeur sont juste extraordinaires en termes de, pour créer une ambiance en fait dans une pièce, surtout dans une chambre ou dans un salon, c'est juste extra. Et là, Bon Parfumeur m'ont contacté, j'étais là, ah oui mais je vous aime tellement, m'ont contacté pour vous parler de leur calendrier de l'Avent. Et là je vous le montre. Leur magnifique calendrier de l'Avent qui est juste extra parce que ça permet de pouvoir découvrir finalement toutes leurs créations, 24 créations qui sont à l'intérieur. Si je me souviens bien, il y en a 20 en tout petit comme ça. C'est plus grand, enfin il y a plus de produits que dans un petit pchit de parfumerie, échantillon de parfumerie. Il y en a un peu plus. Ils ont 4, non, 3 en format voyage et un gros. Et du coup, en fait, à la fin du mois de décembre, du coup, vous connaîtrez finalement une grosse partie de ce qu'est capable de faire Bon Parfumeur et de pouvoir finalement choisir parmi leur catalogue de produits. Et je trouve ça juste dingue d'avoir une sorte de calendrier de l'Avent parfumé, enfin un Avent Noël parfumé. J'ai hâte, je sens que je vais en mettre certains dans des vaporisateurs pour vaporiser dans la maison. Vous connaissez, si vous, ça vous tente, si vous êtes des accros des parfums et que vous avez envie en fait de pouvoir voir à quoi ressemblent finalement les capacités de mon parfumeur, je vous encourage à aller en barre d'infos pour pouvoir commander avec moi. De toute manière, dans le mois de décembre, au fil des vlogs et des stories, etc., je vous parlerai de nouveau de Bon Parfumeur parce que j'ouvrirai les cases. Là, je me suis un petit peu spoilée parce que vous avez vu les images, mais... Du coup, je pourrais vous partager si vraiment j'aime, etc. Mais moi, ce qui me plairait de super plaisir, c'est que vous l'achetiez et celle à qui ça me dit, hein, et qu'on le découvre ensemble au fur et à mesure des jours, qu'on en discute et tout. Voilà. Je dois pas être la seule maman qui a ce dilemme. Est-ce que je la réveille maintenant ? Mais en même temps, je serais pas tranquille. Ou alors, je la laisse dormir, je suis tranquille. Mais ce soir, je suis pas tranquille. Parce que du coup, elle n'arrivera pas à dormir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me tâte encore. Mais c'est parce que tu l'avais mis là, c'était pas le bon film.
Allez, on avance plus vite, s'il te plaît. Merci. Plein de feuilles, là, d'automne. Viens, on va où? Let's go. Okay. Ça nous. T'es trop belle. Touting. Papi. Là, c'est la pièce de ma maman, sur son bureau. Celles qui ont vu le film War Room m'ont dit « Ah, mais c'est comme ça, War Room ?» C'est ça, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est là qu'elle prie, c'est là qu'elle écrit son livre. Voilà, pour ceux à qui ça parle, qui sont béninois, ma mère, c'est la fille de Jean Plia, qui est un homme hyper connu au Bénin. Et donc, voilà, donc elle a écrit également un livre. Que vous pourrez trouver en barre d'infos, tiens, on fait la pub à maman aussi. et voilà, donc c'est ici qu'elle se sent le mieux dans cette pièce. C'est là qu'on vient prier, c'est là qu'elle vient se poser, c'est là que aussi on vient se poser, quand on fait des soirées filles avec ma maman, on vient là et tout. Donc voilà, c'est la pièce cocooning de la maison et qui a beaucoup évolué depuis que je suis petite. Mais là, c'est, je crois que dans sa dernière finition, quoi. Non mais si. Non mais attends. Ah, c'est celui, vas-y, montre. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est toi qui a ramené le cake, c'est un cake au rapadura. Le sucre. C'est quoi un rapadura? Le sucre. Oui, c'est du sucre de canne non raffiné. C'est bien ça. Thank you.
mes cerisettes. Je suis vachement dans la pénombre, j'avais même allumé la lumière là. Je rentre chez moi, Baby Cerise est parti avec son papa. Et voilà, du coup je suis restée un peu plus tard chez mes parents, il est 22h. J'ai bien profité, ça nous a fait du bien. Depuis que j'ai fini Mad Men, je suis un peu en... Vous voyez quand vous nous avez fini une série et que vous êtes un peu genre SDF de série, bah, je suis un peu comme ça. Allez, on se retrouve à la maison. Hey mes cerisettes, bon, c'est la fin de ce vlog, je suis assez fatiguée de la journée et un peu saoulée aussi, je suis rentrée et les cadres que j'avais posés un peu trop à la va-vite sont tombés, donc ça m'a un peu contrariée. Mais je pense que fatigue plus contrariété de merde, c'est dû à mon SPM, donc le syndrome prémenstruel. Je pense que là, je vais bientôt avoir mes règles, donc je suis un peu tristoune, un peu, vous voyez, non ? Quand vous vous sentez un peu, voilà, bah, je suis en plein dedans. Voilà. Mais en tout cas, c'était une très jolie journée. Franchement, ça m'a fait du bien d'être en famille, de passer un peu de temps, beaucoup de temps avec Baby Cerise, de prendre le temps, en fait, finalement, de qu'on se retrouve les uns avec les autres. Je pense que c'est vraiment une chance que j'ai. J'en ai vraiment conscience d'habiter proche de ma famille. Je le vois avec Monsieur Cerise qui habite loin de sa famille. Vous êtes nombreuses aussi à me dire souvent que vous n'habitez pas forcément à côté des gens que vous aimez, parce que finalement la famille, ça peut être, c'est pas forcément les gens avec qui on partage son sang, c'est avec la famille qu'on s'est construite. Et voilà, donc ça m'a fait du bien de passer du temps, de rigoler, de manger. Vive le SPM. Mais voilà, vraiment, ouais, j'ai vraiment pris du temps ensemble et savouré. Et du coup, on a déjà fait les plans pour Noël. C'est chez moi que ça se passe cette année. Trop contente. C'est chez moi qu'aura lieu le réveillon de Noël. J'ai hâte. Et voilà, de toute manière, cette année, je ne vais pas m'imposer 24 vlogs comme je m'étais imposé l'année dernière, mais 4 weekly vlogs. Et ça sera déjà très très bien, avec plein de vidéos, j'espère, d'ici là. Et surtout sur Instagram, je vous prépare 24 concours. Je suis épuisée déjà de la production de contenu, mais j'ai hâte de vous faire ça. Moi... c'est vraiment pour vous faire plaisir. Je sais qu'il y aura beaucoup de profiteurs et de profiteuses, malheureusement, qui viennent pour les concours. Il y en a, ça existait comme ça. Mais je prends le risque pour vous récompenser, vous, ma communauté, vous qui êtes là depuis si longtemps aujourd'hui, ce qui me permet de pouvoir travailler avec des marques. Et donc, du coup, bah, j'ai demandé à des marques de m'offrir des cadeaux pour vous, que je mets en concours pour vous. Et voilà. J'arrête de me spoiler mon mois de décembre et je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos et à réagir. Et voilà, je vous fais des très très gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.